Un autre exemple de cette tendance-là, à te parler du monde réel tel qu'il est, genre à te dire que les choses qui existent, qui se sont réellement passées, etc., tu vois, ça va être dans cet extrait-là. Donc ça s'appelle Cali Uptown et c'était un brunch, c'était vraiment cool. Genre là c'est un egg sandwich avec du coup il y avait du bacon caramélisé au sirop d'érable, il y avait des épinards, il y avait du fromage avec un œuf et tout, c'était trop bon. Moi là je me suis pris un cappuccino. C'était pas une formule à volonté, c'était une formule à 29 euros. Donc 29 euros, il y avait le plat salé de ton choix. Donc moi j'ai pris le egg sandwich, mais il y avait aussi genre de la salade d'halloumi. Enfin de la salade avec des trucs d'halloumi dedans là. Avec de l'halloumi dedans. Il y avait plein de trucs, mais moi je trouvais que c'était ça le mieux. Il y avait une boisson chaude. Soit tu prenais du café filtre à volonté, mais moi j'aime pas trop, c'est de la flotte. Soit tu prenais qu'une seule boisson chaude. Donc moi j'ai pris un cappuccino. Et après, t'avais une boisson froide. Moi, au début, j'avais pris une boisson au lait d'amande, à la datte et au café. Le truc, c'est qu'ils avaient plus de datte. Donc, du coup, ils ont dit, bah, on peut pas vous le faire. Donc, j'ai pris ça, là. C'est un smoothie, mais c'était délicieux. Hein. C'était un smoothie poudre d'amande, lait d'amande, banane, fruits rouges. C'était délicieux. J'ai envie de refaire la même recette avec mon monsieur cuisine, tellement que c'était bon. Vraiment, j'ai adoré. Ensuite, en dessert, du coup. Oui, mélange de chef. Délicieux. Et en dessert, tu pouvais choisir donc soit la gaufre que Ponce a pris là-bas. Je la trouvais un peu sec, cette gaufre. J'ai pris un petit bout, ça, je la trouvais un peu sèche. Et il y avait du beurre de sirop d'érable et il y avait des fruits rouges. Soit il y avait des fruits rouges. Et du coup, j'avais pris ça, et ça c'était un. Genre, elle dit pas juste un egg burger et une salade, tu vois. Non, donc ça c'était un egg burger, et dedans il y avait des oignons caramélisés au bacon, ou je sais pas quoi, et avec une salade, et avec une sauce, elle était comme ça. Et après, j'ai pris un milkshake, où j'ai pris telle et telle boisson. Mais après, dans leur menu, ils avaient pas ci et ça, donc du coup, bah, j'ai fait ci, et j'ai fait ça, il s'est passé ci, il s'est passé ça, et voilà ce que j'ai pris, et voilà ce qui s'est passé, et voilà les formules qu'ils avaient, et voilà ce qu'il y a dans l'assiette, tu vois. Comment dire? Genre tous les faits, 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 et le truc, il s'arrête pas, tu vois. Genre, elle est là à te dire ce qui s'est passé, est-ce qu'il y avait, et dans le restaurant, qu'est-ce qu'ils avaient, et qu'est-ce qu'elle a pris. Genre, elle te redit toute la carte, elle te fait une présentation complète du menu, tu vois. Et à aucun moment, elle ne s'éloigne de ce truc, genre, super concret, genre, concreto concret de ce qui s'est passé, tu vois. D'ailleurs, c'est plus du côté SI, en fait. S, bon, ça c'est clair et net, mais si on devait dire, genre, ça a l'air plus d'être du côté SI, en fait. C'est vraiment, genre, le rapport, genre, la liste, en fait. C'est la liste de tout ce qui s'est passé, la liste de tout ce qu'il y avait, tu vois. Il y a le côté un peu, genre un peu robotique, comme ça, genre qu'on voit chez tous les SI qui vont juste être là, genre à reporter les faits. À 13h29, il s'est passé ci et ça. À 13h30, il s'est passé ci et ça. 13h31, genre, tu sais, c'est vraiment genre le truc dans Among Us, tu vois. Le sensor qui dit telle personne est sortie de telle salle, telle personne est rentrée dans telle salle. Juste les faits, il te dit ça, genre, dans l'ordre, de manière exhaustive, tu vois. Là, c'est. Ça résonne ou je rêve? Ah! Je rêve, ok. La liste, genre vraiment exhaustive de tout ce qui s'est passé, tu vois. Là, c'est de tout ce qu'elle a mangé, de tous les ingrédients. Genre, c'est une liste de cuisine. Genre, limite, tu l'écoutes, tu peux refaire le truc chez toi, tu vois. C'est une liste de cuisine, en fait. Il y a un côté. Genre, c'est pas. Genre, c'est pas par rapport à l'ordre spécialement, genre, parce que c'est pas spécialement ordonné, ce qu'elle dit. Mais c'est juste, genre, vraiment du micro-détail, en fait. Que les SE ont tendance à. En général, omettre. Et justement, les SE, ils vont aussi te parler de ce qu'il y a, mais ils vont te dire, voilà, donc il y avait un egg muffin, ils vont pas rentrer dans les détails précis. Ils vont te dire, voilà, un truc réel là, un truc réel là, un truc réel là, ils vont passer au dessert beaucoup plus rapidement, un truc réel là, et ils vont se mettre à te parler d'autres trucs qui existent, et d'ailleurs, et aussi après, ben, on avait fait ci, après on avait fait ça, ils vont se mettre à te raconter, genre, toute la journée, de manière totalement, genre, décousue, et après le soir, et ben, en fait, on est parti dans tel et tel endroit, et puis on avait chanté, mais du coup, comme on avait mangé, du coup, des frites et des machins, ils vont revenir sur le menu, tu vois, ils vont aussi te parler de trucs réels, mais ça va être, genre, dans tous les sens, dans tous les sens, dans tous les sens. Elle, genre, c'est pas que c'est dans l'ordre, genre, il n'y a pas d'ordre, tu vois, genre, elle te cite juste les choses, mais c'est la minutie, en fait. C'est plus ça, c'est, genre, de manière minutieuse, elle te décrit bien chaque truc, et genre, c'est par chapitre, tu vois. Elle te parle du sandwich, ensuite, elle te parle de la salade, ensuite, elle te parle de la boisson, elle passe. Ensuite, le dessert, tu vois.
Ça m'a trop fait rire. Là, son truc, il dure 3 ans. Voilà. Ensuite, le dessert. Ah, c'est pas fini. Sensation, ça, je pense qu'on le voit assez clairement. Le fait qu'elle parle en chapitre, qu'elle soit minutieuse, etc. Genre, c'est vraiment notre liste d'ingrédients, etc. Ça ressemble à SI, ça ressemble à OI.